Hey guys, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo 20 faits sur moi. C'est parti. Premier fait sur moi, je suis née le 14 septembre 2008. Deuxième fait sur moi, ma couleur préférée c'est le rose. Troisième fait sur moi, mon youtubeur préféré s'appelle Neo et Swan et ma youtubeuse préférée c'est l'atelier de Roxane. Quatrième fait sur moi, mon nombre préféré c'est le 4. Je sais pas pourquoi, mais c'est mon nombre fétiche. Je sais pas du tout pourquoi j'ai un nombre fétiche. Hein. Ne me demandez pas. Cinquième fait sur moi, je suis de nature très excitée. Donc c'est pour ça que je parle beaucoup. Je suis une vraie pile électrique. Il y a des moments quand même où je suis un peu timide. C'est-à-dire devant la classe, parler, je suis un peu timide. Mais parler à mon téléphone, je ne suis pas timide. Mais si par exemple je rencontre des gens dans la rue, je serais un peu coincée pour leur parler. Je suis un peu de nature timide quand il y a plein de gens devant moi, mais très très excitée. Mais c'est pour ça que je parle beaucoup. Sixième fait sur moi, mon aliment préféré c'est les frites, tout court les frites, voilà, basique, les frites comme ça, j'adore ça, vraiment c'est la vie les frites, voilà. Septième fait sur moi, je crois qu'on en a au septième. Je suis toute petite, je mesure 1m40 pour 11 ans et demi. Huitième fait sur moi, je n'ai absolument pas de chanteur ou chanteuse préférée. Oh, chanteur, ça peut être Kenji, mais voilà. J'écoute pas trop de musique en même temps, donc voilà. On peut croire que j'en écoute beaucoup, mais... Neuvième fait sur moi, je suis une vraie passionnée de l'espace, comme vous pouvez le voir derrière ou ici. Je suis vraiment passionnée de l'espace depuis assez longtemps, parce qu'en fait c'est l'univers, c'est vraiment notre monde, notre planète, notre galaxie. J'adore ça, voilà, c'est une vraie passion. Alors si je me trompe pas, dixième fait sur moi, j'ai une grande sœur, elle a 12 ans, et c'est vraiment ma sœur, c'est ma seule sœur, parce que parfois je parle de ma sœur de cœur. Il y a une grande différence entre ma sœur, ma vraie sœur, j'ai qu'une sœur, c'est Libetti, et j'ai une sœur de cœur, c'est Jade. Mais sinon, on n'est que deux, ma sœur et moi. Onzième fait sur moi, j'adore tout ce qui est activité manuelle, j'en fais très souvent. Par exemple, je fais de la pâte à sel, donc il y a un bac juste à côté de moi. Donc voilà, ma pâte à sel. Donc vous avez par exemple des gâteaux, des cœurs, etc. Douzième fait sur moi, ma matière préférée c'est la physique chimie et la SVT. Treizième fait sur moi, je suis une vraie Miss Catastrophe, on devrait m'élire, je sais pas, Miss Catastrophe 2020 parce que je vais vous dire tous mes accidents. Je me suis fait une entorse au poignet, j'ai eu 2 mois d'attelle depuis au début de l'année. J'ai eu 2 fois des béquilles dans l'année, je me suis déjà cassé la jambe. je suis une vraie Miss Catastrophe. Quand j'étais petite, je n'arrêtais pas de m'ouvrir la tête. Limite tous les soirs, j'allais aux urgences, j'avais l'impression. Je suis une vraie Miss Catastrophe. 17ème fait sur moi, j'adore les peluches. Je ne sais pas pourquoi. Je suis fan des peluches. Je ne sais pas si vous voyez, mais dans mon lit, il y en a vraiment plein. Là il y en a plein, là il y en a plein. Je sais pas pourquoi. J'adore ça. 18ème fait sur moi, je suis une Miss garde tout. C'est-à-dire que quand ma mère et moi on fait du tri, par exemple au niveau de mes affaires, je garde tout. Il reste que 3 trucs et c'est des bouts de papier dans le sac. Je sais pas, j'aime bien tout garder. Quand on m'achète des trucs, pour moi c'est il faut garder. Même si je sais que ça va être pour mes enfants plus tard. Ça va juste à la cage, je ne peux pas imaginer un moment faire du tri et donner mes affaires, je sais pas, je garde tout. 20ème fait sur moi et dernier fait, c'est celui que je voulais vraiment garder pour la fin, c'est depuis que je suis toute petite, j'ai un gros problème de vue. C'est-à-dire que ma mère, là, quand je suis rentrée en moyenne en moyenne section, j'ai eu des lunettes parce qu'en fait... je voyais rien, mais je tombais pas. Du coup, on pouvait pas voir que j'avais un problème de vue. Mais un jour, ma mère, elle l'a vu quand même parce que c'était un peu bizarre. Je cassais les lunettes de tout le monde en fait parce que j'étais jalouse parce que je ne voyais rien. Donc j'ai un problème de vue, donc j'ai des lunettes. Et quand j'enlève mes lunettes, je louche et je suis myope.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris plus de trucs sur moi. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire. C'est vrai que j'ai longtemps, longuement cherché entre chaque prise les faits que j'allais vous dire parce que je préfère faire mes vidéos à l'improviste comme ça. Et je suis tombée sur cette vidéo, je me suis dit je vais la faire. Et ben, n'hésitez pas à partager ma chaîne sur vos réseaux sociaux. À bientôt!